Ok, voilà, je vais déjà couper cette musique. Alors, vous avez bien suivi l'actualité comme moi. Et face à cette actualité assez chaude, je dirais tantôt, cette actualité, je ne sais même pas, je n'ai même pas les mots pour décrire ce que moi je ressens aujourd'hui en tant que sportif, en tant qu'amoureux du ballon rond. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Lorsqu'on est sportif, c'est un boulot comme les autres, on doit être respecté. Les sportifs 2.0, là, de quartier partout, ils sont respectés. Mais lorsqu'on est une légende, comme Lionel Messi. Moi, je crois même que le Paris Saint-Germain ne se rend pas compte que Lionel Messi, à lui tout seul, est une institution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lionel Messi, à lui tout seul, vaut 2 fois le Paris Saint-Germain. En termes de popularité, en termes d'histoire, Mais c'est un peu comme si tu prenais le président Dadis Camara et Nelson Mandela. Tu mettais là, tu essayais de jongler. Non, on ne jongle pas. On ne jongle pas. Le Paris Saint-Germain n'a pas compris que Messi, à lui tout seul, c'est une institution. Le Paris Saint-Germain, en dehors de l'Europe, là, c'est-à-dire là, l'Europe ici, là, va en Amérique du Sud, tu parles du Paris Saint-Germain. On ne va pas connaître, on ne connaît pas le Paris Saint-Germain. Va en Amérique du Sud, les gars, ils connaissent Boca Juniors. Ils connaissent tous ces clubs. Ils connaissent Peñarol, ils connaissent National. Ils connaissent River Plate. Mais les gars, on ne connaît pas Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'en Afrique francophone où on parle de Paris Saint-Germain. Parce que les gars sont encore bluffés là-bas. Parce qu'ils ont encore la télé de la France là-bas, en Afrique. Les gars n'ont pas compris quoi? Messi a lui tout seul. Dans quel coin du monde Messi a lui tout seul? Son palmarès à lui, en tant que joueur, fait oublier Paris. Paris, c'est rien. Paris, le PSG, c'est vide. Le PSG, c'est vide. Le PSG, c'est rien. Le PSG, c'est quoi? Il a fallu que le Qatar rachète pour qu'on parle de Paris Saint-Germain. Le PSG n'est PSG que par le pays qui est devant. Ça dit Paris. Paris. En dehors de Paris, le Saint-Germain, c'est rien. Il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a pas de palmarès, il n'y a rien. Moi, je vais dire quelque chose. Je m'adresse aux Parisiens. Vous êtes des hommes. Vous êtes, je ne sais pas. Je ne sais même pas si vous êtes des hommes. Un club de football, c'est une entreprise. Et lorsqu'on parle d'entreprise, ça veut dire qu'il y a des règles. La première des règles, même si tu es chef, si tu ne respectes pas là, les règles, si tu respectes, même si tu es grand là, tu ne respectes pas le petit. Le petit ne va pas te respecter. Le petit va te manquer de respect. Le petit ne va pas il va pas te louper. On respecte le petit. Tu donnes le respect. Nous, on a appris ça. Quand tu es un leader là, quand tu es un chef, si tu veux dire que je suis le chef, je dois marcher sur vous, tu seras chef de rien. Parce que personne ne va t'écouter. Et finalement, tu seras chef de rien. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Le PSG, c'est un club qui, depuis 12 ans, avant que le Qatar n'arrive au Paris Saint-Germain, le PSG était encore un club de foot. Avec une âme. C'est-à-dire avec une âme. Mais depuis que le Qatar est arrivé, le PSG, c'est même plus le PSG, le Qatari Saint-Germain est devenu autre chose. Est devenu comme... a adopté les méthodes qui sont pratiquées au Qatar avec les travailleurs pakistanais. Ça veut dire que l'humain, on s'en fout de l'humain. Ça veut dire qu'on s'en fout de l'humain. Ça veut dire que, de toute façon, nous, on a l'argent. Et tant qu'on a l'argent, on fait ce qu'on veut et vous, vous obéissez. Ça veut dire qu'on ne vous respecte pas, vous les joueurs. Parce qu'on vous paye des millions, on ne vous respecte pas. Mais même ces joueurs même qui continuent à aller signer à Paris, vous n'avez pas de respect pour vous-même. Paris, depuis 12 ans, n'est plus un club de football. C'est, comment on peut expliquer ça? C'est un cercle vicieux où les gens, on ne sait même pas comment ils ont pu débarquer dans le football. On ne sait pas comment ils sont arrivés dans le foot. Quel est même leur objectif lorsqu'ils décident de prendre un club de football? Quand le président de Manchester City prend City, il a une ambition. C'est de construire une grande équipe européenne qui va tout gagner et qui va gagner la Ligue des Champions. Et ils sont sur la bonne voie. Mais à Paris, on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Ils prennent des infirmes pour mettre dirigeants. Nasser Al-Khelaifi, Luc Campos, Galtier. Mais ça, c'est vraiment des hommes qu'on prend pour diriger une équipe comme Paris. Mais à croire que certaines personnes pensent que l'argent fait tout. Mais ils ont l'argent, mais ils ont les têtes vides. Ils ont l'argent, mais ils ont les têtes vides. Non, ils ont l'argent, mais ils ont les têtes vides. À quoi ça sert d'avoir l'argent si tu as la tête vide? Prendre l'argent des millions, tu donnes à un fou, il va aller claquer, prendre un briquet, il va mettre le feu sur ça parce que lui, il va brûler, pensant que c'est les bouts de papier. C'est de ça il s'agit. On ne peut pas faire ça. Un club, on ne peut pas être aussi nul, c'est-à-dire être aussi nul. On ne peut pas aller plus bas que le Paris Saint-Germain, que les dirigeants. Même moi, aujourd'hui, tu me prends pour mettre au Paris Saint-Germain, je vais proposer quelque chose de crédible. Un projet crédible. Un projet sur 5 ans. Sur 10 ans même. Ils sont venus pour préparer leur Coupe du Monde en 2022. La Coupe du Monde s'est déjà jouée. Maintenant, ils peuvent partir alors. Parce que le Paris Saint-Germain n'a plus d'âme. Ce n'est plus une équipe. Ce n'est plus une équipe. À l'époque, on avait les rails. On avait les Gigi Okocha. On avait les Ronaldinho. On avait les Luis Fernandez. Les Bernard Lama, c'était encore une équipe. Quand il y avait encore les derbys, même contre les classicos contre Marseille, il y avait encore match. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Comment des dirigeants peuvent être aussi nuls? Comment des dirigeants peuvent ne pas maîtriser ce pourquoi ils ont été choisis? Ils ont été choisis pourquoi? Mais ces gens, Nasser Al-Khelaifi, l'émir te donne son argent pour mettre... L'émir met l'argent pour que tu fasses quoi? Mais, je vais vous dire quelque chose. Ils sont tellement nuls qu'aujourd'hui, je vois les gens, certaines personnes, soi-disant, supporters parisiens, et qui soi-disant aiment le foot et connaissent le foot, qui s'en félicitent du fait qu'on a humilié Lionel Messi. J'entends des gens dire que, oui, enfin, le Paris Saint-Germain a bougé, enfin ces dirigeants amorphes ont bougé, ils ont sanctionné Lionel Messi. Mais ce qui se cache derrière cette sanction de Lionel Messi, c'est tout simplement l'incompétence des dirigeants. L'incompétence des dirigeants qui, à un moment donné, voulant se racheter une conduite, se disent que on va suspendre ce monsieur pour montrer que on a encore la main mise sur le projet. Mais non. Ils ont tout loupé. Ils ont tout loupé. Ils ont tout loupé. Ils sont là. Ils ont choisi d'humilier Lionel Messi pour sauver leur tête. Mais non. Ils ne peuvent plus sauver leur tête. Même si le Qatar met de l'argent aujourd'hui, n'importe comment, le Paris Saint-Germain n'ira nulle part. Et je vous dis ça parce que, comme on dit chez nous en Afrique, il y a déjà la malchance qui est là. Ils ont tellement fait du mal que, même s'ils sacrifient des bœufs, au Parc des Princes, ils ne gagneront pas la Ligue des Champions avant 10 ans. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je vois à travers les murs. Je suis comme les marabouts. Ils ne gagneront pas la Ligue des Champions avant 10 ans. Jusqu'à ce que le Qatar parte, ils ne gagneront pas. Le Paris Saint-Germain, c'est un club qui n'a pas de respect, qui ne respecte pas les joueurs. Ils ont humilié autant des joueurs. Tous les joueurs qui sont arrivés à Paris, quels joueurs aujourd'hui? Quel footballeur, vous qui me regardez, pardon, partagez-moi cette vidéo, je ne serai pas long, j'ai encore 5 minutes. Quel footballeur s'est épanoui à Paris? Dites-moi, vous qui me regardez, peut-être qu'il y a des supporters parisiens parmi. Quel footballeur s'est épanoui à Paris? Lequel? Dites-le-moi. Quel footballeur? Depuis 12 ans, lequel s'est épanoui? On a eu, avant l'arrivée du Qatar, on a eu les joueurs comme Ronaldinho qui sont arrivés, qui ont fait du bon boulot, qui sont partis. On a eu George Weah qui est arrivé, il a fait du bon boulot, il a été pris dans les grands clubs. Mais depuis que le Qatar est arrivé, rien ne marche. Rien ne marche. Parce qu'ils pensent qu'avec l'argent, ils vont tout faire. Rien ne marche. Et depuis 12 ans, ils ne font que se construire du karma. Ils n'ont pas de respect. Ils n'ont aucune politique. Ils ont des gens qui sont incompétents, qui sont nuls. Mais l'ennemi du Qatar n'est pas aussi bête. Comment il peut laisser des gens aussi nuls autant d'années sans faire quelque chose? Il faut que le Nasser Al-Khelaifi, c'est pas, c'est qu'il faut qu'il rentre. Qu'il rentre au Qatar, je ne sais pas, nourrit ses chameaux. Il faut qu'il rentre. Vous ne pouvez pas venir en fin de saison, juste pour noyer le poisson, vous décidez de suspendre un mec comme Messi. Oui, les gens applaudissent. Oui, enfin, les dirigeants bougent. Non, ils bougent parce qu'ils veulent sauver leur place. Ils veulent sauver leur tête. Ils veulent sauver leur tête parce qu'ils savent que tous vont partir. Parce qu'ils savent que tous n'auront plus d'argent, parce que tous sont payés. Même Nasser Al-Khelaifi, il est payé aussi, comme tout le reste. C'est des mendiants tous, sans exception. C'est des mendiants. Oui. Ça fait 12 ans, on n'a jamais vu les dirigeants parisiens suspendre un joueur. Je dis, ça fait 12 ans depuis que le Qatar, là, on n'a jamais vu suspendre un joueur. Comme par hasard, il a fallu que ce soit Lionel Messi qui s'acharne sur lui. Les Parisiens, les dirigeants parisiens ne peuvent pas organiser ce qu'ils ont organisé là. Parce que ce que les supporters ont fait jusqu'à aller au domicile d'un joueur, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas exposer vos joueurs jusqu'à ce niveau. Vous ne pouvez pas exposer Neymar. Vous ne pouvez pas exposer Messi jusqu'à ce niveau. Non, non, non. Vous êtes allé trop loin. Vous avez la responsabilité de couvrir vos joueurs. Vous avez la responsabilité de protéger vos joueurs. Vous avez la responsabilité d'assurer la sécurité. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, dans ce monde ou de business, ça va très vite. Il suffit qu'un gars ait parié sur le match de Lorient et que ça marche mal. Et que les dirigeants lâchent les joueurs comme ça. Que oui, c'est eux les responsables. Non. Le premier rôle d'une équipe, c'est de protéger. Même s'il y a quel problème, on protège, on règle ça en interne. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas su ça. Ils ont exposé Messi. Ils ont exposé Neymar. Comme ils l'ont fait par le passé. Thiago Silva, Thiago Motta, Tuchel. Je peux encore citer. Depuis 11 ans, tous ceux qui sont passés à Paris, personne n'est jamais parti en bon terme. Ils les ont toujours virés comme des malpropres. Ils les ont toujours virés comme des malpropres. C'est les enfants des gens aussi. Ou vous êtes les enfants de qui, je ne sais pas. Quels sont ces dirigeants qui n'arrivent pas à avoir la main ferme sur l'équipe? Même le petit Longoria à Marseille fait mieux. Même le petit Longoria à Marseille fait mieux. Ils n'ont pas les couilles. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Quels sont ces dirigeants? Et je vais aller plus loin. Vous ne pouvez, je termine d'abord, vous ne pouvez pas exposer Léo. Je vous explique ce qui se passe. Léo devait aller en Arabie Saoudite pour faire la promotion du tourisme. Il a un contrat de 30 millions l'année qui le lie avec l'Arabie Saoudite. Donc, depuis des semaines, il devait aller. À chaque fois, compte tenu des résultats peu probants déjà, lors du match, après le match retour de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, où Paris s'est fait éliminer, il devait aller. Ça a été toujours envoyé parce que Paris s'est fait éliminer. D'habitude, le lundi, c'est le jour de repos. Et Léo a réservé son vol le lundi pour aller en Arabie Saoudite. Comme par hasard, le dimanche, Paris perd contre Lorient. Léo avait déjà son vol et il est parti. Bien sûr que peut-être il ne fallait pas qu'il parte, mais il est parti. Et puis quoi? Il y a eu un changement de programme à la dernière minute. Dieu seul sait. Ton patron te dit, voilà, on va fermer demain. Tu prends un billet d'avion pour le Cameroun au mois d'août. Après, il te dit, non, finalement, on ne ferme plus. Tu perds ton billet d'avion, tu fais comment? Le gars, il est parti. Puis quand il part comme ça, toi, dirigeant de club, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ce mec, c'est le mec le plus discipliné qu'on ait jamais connu. Léo Messi n'est pas Ronaldo, Léo Messi n'est pas Zlatan. Ce n'est pas des mecs bling-bling qui... Non, Léo, à Barcelone, on n'a jamais entendu Léo. À l'équipe nationale, on n'a jamais entendu un cas d'indiscipline. Ça veut dire qu'un mec ne peut pas quitter de nulle part du jour au lendemain, devient subitement indiscipliné comme si... Non, toutes choses n'arrivent... Les choses n'arrivent jamais au hasard. Donc, Léo ne peut pas être indiscipliné comme ça. Vous le suspendez, vous aurez pu le convoquer. Lui faire un rappel. Un petit rappel, ça aurait suffi. Avec une petite suspension financière. Dembélé est arrivé combien de fois en retard à l'entraînement à Barcelone? Dembélé, pour ceux qui le connaissent. Il est arrivé combien de fois en retard à l'entraînement? Il y a eu des séances où il a sauté, il a manqué. Mais est-ce que vous êtes au courant? Vous n'êtes pas au courant. Parce que Barcelone sait gérer des cas comme ça. Pour une journée d'entraînement, vous avez fait tout un scandale. Les gens se sont retrouvés devant la porte de Neymar. Je ne sais même pas si sa femme ou ses enfants ou ses cousins étaient à la maison. Mais quand des gens, des hooligans se retrouvent devant la maison d'un jour, ils peuvent casser, ils peuvent rentrer. Et d'autres reviendront même la nuit. Peut-être que Neymar aujourd'hui n'est plus en sécurité à Paris. Neymar aujourd'hui n'est plus en sécurité à Paris. Et c'est la cause, c'est qui? C'est le Paris Saint-Germain, c'est les dirigeants du Paris qui ne protègent pas leurs joueurs. Ce n'est pas normal. Parce qu'ils s'en foutent. Ils se disent que, puisqu'on vous paye, on vous donne beaucoup d'argent, on a le droit de marcher sur vous. Comme à l'époque de l'esclavage. Non, il faut arrêter ça. Respectez les gens. Respectez les joueurs. C'est des enfants des gens aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque je vois ça, je me dis... Quel est ce club? Comment il compte gagner? Je disais tout à l'heure, depuis 12 ans que le Qatar est là, ils n'ont jamais... Parce que de toute façon, il n'y a pas de visibilité. Dans le projet, il n'y a pas de visibilité. Même les Zoumara Camara qui étaient là, aujourd'hui, ils sont tous partis. Ça dit les enfants de Paris. Où vient le problème de Paris Saint-Germain? Le problème de Paris Saint-Germain, je vais vous dire... Paris, depuis 11 ans, essayait de se battre. Ils essayaient, même s'ils naviguaient à vue, ils essayaient quand même de jongler. Ça essayait de tenir. Mais depuis 2 ans, ça ne tient plus. Et encore plus cette année, ça ne tient plus. Pourquoi? Parce que des dirigeants incompétents se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne connaît rien au foot. On va confier... le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. On va lui confier l'équipe. Ils ont confié le Paris Saint-Germain à Kylian. Vous avez déjà vu dans quel club au monde on prend un joueur pour dire que aujourd'hui tu vas siéger au conseil d'administration. Ça dit, c'est toi qui dois décider de comment on va faire. Mais vous avez déjà vu dans quel club au monde ça se passe comme ça? Je peux vous dire que Messi à Barcelone gagnait énormément d'argent. Messi était pratiquement 50% de Barcelone. Mais Messi ne prenait jamais les décisions en ce qui concerne Barcelone. Pour dire quoi? Ces dirigeants, c'est eux, ils ont plombé cette équipe. Ils ont créé cette équipe. Ils ont fait à ce que les joueurs se tamponnent les têtes. Quand tu vois comment aujourd'hui, comment tu peux prendre un joueur comme Kylian Mbappé? Ce n'est pas parce que tu recrutes un joueur à 500 millions que tu auras le résultat. Une équipe de football, c'est l'équilibre. Il faut retrouver un certain équilibre. Regardez Manchester City aujourd'hui, comment l'équipe est assez équilibrée, l'équipe est assez homogène, l'équipe se vit très bien. Mais Paris, ils ont choisi de donner l'argent à Kylian. Ils prennent un mec qui touche 30 millions d'euros l'année parce qu'ils ne veulent pas le laisser partir. Comme eux, ils ont tellement l'argent, ils disent, si tu veux partir, on va te noyer avec l'argent, tu vas rester. Mais comme les gens ne résistent pas devant l'argent, il est resté. Il passe de 30 millions à 71 millions l'année. Mais comment voulez-vous que l'équipe soit équilibrée si vous prenez un joueur, là où tout le monde est dans la moyenne, les salaires de Paris Saint-Germain sont entre 11, 42 millions l'année par joueur. Mais ils ont pris Kylian à 30, ils ont mis à 71 millions. Ça veut dire que lui, il a le double de ce que gagnerait Messi au Paris Saint-Germain. Mais quand il n'y a pas de résultats, on dit c'est Messi qui marche. On dit c'est Messi qui marche. Quand il n'y a pas de résultats, on dit c'est Messi qui marche. Vous prenez un salaire, vous donnez. Même les autres vont dire que quand vous lui avez donné cet argent, qu'il a joué en voie. Le problème n'est même pas là. Le problème, c'est que en dehors de ça, vous lui donnez d'autres pouvoirs. Vous lui dites qu'est-ce que tu veux. Les coups francs, tu dois les tirer. Les pénaltys, tu dois les tirer. Quand vous déséquilibrez vous-même dirigeant d'une équipe avec vos têtes vides, quand vous prenez même les pénaltys qui étaient destinés au meilleur tireur des pénaltys du monde, j'ai nommé Neymar. Comment vous pouvez prendre des pénaltys pour donner des Neymar à Mbappé? Comment voulez-vous que les deux puissent s'entendre? Et toi Mbappé, avec ta tête de melon, quand tu vas aussi, on te donne. Et Neymar, soi-disant, c'est ton ami. Quand toi-même, tu acceptes, tu crois que c'est crédible? Non, je crois que vous avez fumé la moquette. Ils ont fumé la moquette. Le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Oui, c'est lui. Quand Kylian a parlé, a décrié une vidéo du Paris Saint-Germain sur Instagram, on appelle ça quoi? C'est une faute très grave. C'est contenu dans les contrats que jamais tu peux aller balancer le club sur les réseaux sociaux. Il a fait. Qu'est-ce que Campos a fait? Qu'est-ce que Galtier a fait? Qu'est-ce que Nasser a fait? Ils sont restés là, ils ont fermé leur bouche parce qu'ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Mais quand ce Messi, c'est dehors, c'est gâté. Quand c'est Neymar, c'est gâté. À croire que finalement, ces gens, vous n'aimez pas les joueurs qui viennent d'ailleurs ou pas? Ou quoi? Je ne parle pas des Ghana Gay. On a la même chose, on l'a dégagé. On les a dégagés comme des malpropres. Mais non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, chers amis. On ne fait pas ça. Vous prenez un club, vous confiez à un enfant. Les pénaltys, c'est toi qui dois tirer. Mais si c'est toi qui dois tirer les pénaltys, vous croyez que moi, j'arrive au Paris Saint-Germain en ma qualité de méga star, Neymar. Je tire les pénaltys. Un jour, on appelle mon coéquipier dans le bureau, on lui dit que tu veux quoi? Il dit je veux 71 millions, on lui donne. Tu veux encore quoi? Il dit je veux le coup franc, on lui donne. On dit tu veux encore quoi? Il dit je veux les pénaltys, on lui donne. Toi qui acceptes tout ça. Messi tire les coups francs mieux que toi. Messi tire les pénaltys mieux que toi. Par contre, tu acceptes. Neymar tire les coups francs mieux que toi. Neymar tire les pénaltys mieux que toi. Toi, tu acceptes. Et tu te dis leader. Tu te dis leader. Tu n'es leader de rien. Tu es juste un mec égocentrique. Tu es égocentrique. Tu es égoïste. Tu n'es leader de rien. Ce n'est pas Mbappé qui décide, mais Ken. Quand on lui a dit, quand il discutait le pénalty avec Neymar, pourquoi il a discuté? Si ce n'est pas lui qui décide, il ne pouvait pas dire que non, Neymar c'est le meilleur tireur. La grandeur d'un joueur, c'est dans la reconnaissance que tu as. Quand on parle, dans la reconnaissance des gens avec qui tu joues. Tu joues avec Messi, tu joues avec Neymar. C'est une chance pour lui de jouer avec ces gens. C'est pas parce qu'il a brillé en Coupe du Monde 2018 et au Qatar que tout de suite, Il est à la hauteur d'un mec comme Messi. J'ai vu Mbappé bousculer Messi parce qu'il voulait tirer le penalty. Vous croyez que c'est l'esprit d'une équipe? Cet après-midi en Angleterre, Alan, le mec qui est stratosphérique, le cyborg on l'appelle, il a battu tous les records. Il y avait penalty pour City. Il a laissé le penalty à l'autre pour qu'il tire. On appelle ça quoi? Ça s'appelle l'esprit d'équipe. Oui, quand Kylian Mbappé a déclaré sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que le club a fait? Ce n'est pas une faute grave. Ce n'est pas une faute grave. Vous voulez humilier Lionel Messi. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'on a fait à Kylian? Le PSG n'en a même pas parlé. Même un simple communiqué, on n'a pas entendu. Il y a quelques années, quand Serge Aurier insultait Laurent Blanc, l'entraîneur, Nasser, il était toujours là. Nasser, il était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leur bouche. C'est ça la vérité. Il reconnaît les compétences. Tu ne peux pas reconnaître les compétences de quelqu'un. Je vais te dire quelque chose. Si vous êtes dans un vestiaire avec tes copines et qu'un jour, on te dit, va prendre le vestiaire, le casier de ta copine alors qu'elle est encore là, toi, tu vas le prendre. Tu crois que ta copine va te regarder d'un bon oeil? Elle ne pourra pas te regarder d'un bon oeil. Elle va savoir que tu peux la poignarder dans le dos. Parce que tu vas quand même dire non, je ne peux pas prendre son casier. C'est son casier à elle. Elle est déjà habituée. Je vais garder le mien même s'il est moins bon. C'est comme ça. C'est l'humilité. Oui, c'est comme ça. C'est l'empathie. J'ai vu le Kylian contre Lorient. Le gardien de Lorient, comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est un Camerounais, c'est quoi. Il est tombé. Kylian est tombé, il va, il le relève, faire plaisir, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il pose le ballon, le mec il marque jusqu'à il jubile. J'ai dit honte à lui. Honte à lui. Ça me cœur, ça me supporte. Tout ça. J'ai même plus envie de voir cette équipe. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle disparaisse. Non. Vous pouviez régler le problème de Léo Messi. Il n'a pas demandé à Messi, mais le problème, c'est Kylian depuis le début des saisons. Le Qatar a pris Kylian, ils ont donné des pouvoirs à Kylian et le vestiaire n'a jamais accepté. Mais c'est la réalité que vous ne savez pas. Le vestiaire n'a jamais accepté. Ce n'est pas Kylian qui demande qu'il voyage. Quand Kylian est sorti sur Instagram, pourquoi le Paris Saint-Germain ne l'a pas sanctionné? Pourquoi le Paris Saint-Germain ne l'a pas convoqué? Pourquoi? Ça, c'est la question que je pose. Réponds-moi. Messi a voyagé. Mais on sait dans quelles circonstances il a voyagé. Il a voyagé parce qu'il y a eu un changement de programme de dernière minute par rapport à la défaite contre Lorient. Normal, le lundi, il ne s'entraînait pas. Il avait déjà réservé son vol. Et comme il y avait toute une organisation mise sur place en Arabie Saoudite, il est parti, bien évidemment. Il pouvait... C'est une faute de partir. Mais lorsqu'il y a une faute et qu'on sait qu'à la base, il y a une modification de programme, on essaie d'apaiser la situation. Surtout que la situation, l'atmosphère autour de l'équipe n'était pas bonne. Mais vous trouvez juste que des brigands vont devant les domiciles des Neymar? Vous trouvez ça juste? Vous n'avez pas me dit que vous êtes des supporters. Vous supportez ça. Bref, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. C'était votre coach 2.0. Ciao, ciao.